D'abord, les officiels irakiens s'indignent, ou tout au moins ils font semblant. Ils prétendent toujours, d'abord les officiels irakiens s'indignent, ou tout au moins ils font semblant. Ils prétendent toujours que ces mouvements de troupes n'étaient que de simples manœuvres, et ils demandent toujours, mais enfin, qu'a-t-on fait aussi extraordinaire, qu'a-t-on fait aussi extraordinaire. D'abord les officiels. Oui? Ouais, d'accord. Bah écoute. 19h30, heure de Paris demain soir, à moins qu'il se passe quelque chose demain matin. Non, je pense pas. À moins qu'il se passe quelque chose. Hein? Voilà, d'accord. D'abord, les officiels irakiens s'indignent tout au moins, ils font semblant. Ils prétendent toujours que ces mouvements de troupes n'étaient que de simples manœuvres et ils demandent, mais enfin, qu'a-t-on fait de si extraordinaire pour justifier un tel déploiement occidental? Ensuite, ils avancent le fait que depuis 3 ans et demi, ils n'ont pas cessé de donner des gages de bonne volonté et qu'en échange, ils n'ont rien reçu. Et d'ailleurs, quand on leur demande s'ils croient à une levée des sanctions, pourquoi je pense? Quoi qu'il fasse, ils rencontrent beaucoup d'Américains, des étudiants américains. En tout cas, Bagdad aujourd'hui, c'est très calme, des états de plus d'affaires. Devant les magasins, les choses sont moins sérieuses. Les Irakiens semblent davantage préoccupés par l'embargo qu'ils ont supporté que par la reprise d'un éventuel conflit. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas faire la guerre. C'est le mécanisme qui est difficile à savoir. Nous avons souhaité.
Oui. Oui. D'accord. D'accord. Non, non, ça va, ça va. Oui. D'accord, d'accord. D'abord, les officiels irakiens s'indignent, ou en tout cas, ils font semblant. Ils prétendent toujours que c'est...